Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'expatriation au Luxembourg. Nous allons aujourd'hui nous intéresser sur les faits qui motivent énormément de gens à choisir le Luxembourg comme une destination afin de partir pour diverses raisons, que ce soit pour investir dans un secteur d'activité, notamment l'immobilier, pour créer une entreprise, pour passer ses journées de retraite, pour les études, enfin bref, pour diverses raisons. Qu'aujourd'hui, des gens sont nombreux à choisir le Luxembourg pour s'expatrier. Donc aujourd'hui, nous allons parler au travers de cette vidéo des principaux avantages de s'expatrier au Luxembourg, vraiment les avantages dont vous pourrez, auxquels vous pourrez bénéficier, que ce soit pour vivre ou pour travailler. Je vous ai réuni ces avantages et je vais pouvoir vous les communiquer exclusivement au travers de cette vidéo. Mais avant de rentrer dans les détails pour parler des avantages de s'expatrier au Luxembourg, je vous conseille à tous de vous abonner à la chaîne, activez maintenant la cloche de notification juste là en dessous de la vidéo afin de ne rien rater sur les prochaines qui seront publiées, que ce soit sur l'expatriation ou sur diverses raisons. Vous serez vraiment alerté et cela va vous apporter un maximum de connaissances sur des sujets qui vous intéressent. Et si vous voulez vous faire, bien sûr, si vous voulez vous former pour vous expatrier et vraiment réussir l'obtention de votre visa, tout type de visa, je dis bien, au Luxembourg, eh bien pour tout cela, je vous invite à me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo. Donc, vous allez le trouver pour échanger et de voir laquelle des formations qui vous sera la plus adaptée pour vraiment accélérer vos démarches visant à l'obtention d'un visa, d'accord, que ce soit le visa pour le tourisme, pour les affaires, les visas d'affaires ou encore tout type de visa, même le visa de travail, vous allez les obtenir si vous passez bien entendu par moi. Et voilà, je vais vous communiquer toutes les démarches et toutes les procédures au travers des formations et même un accompagnement dédié. Donc, vivre et travailler au Luxembourg, quels sont les avantages à connaître? Situé en plein centre de l'Europe, voisin de la France, de la Belgique et de l'Allemagne, le Luxembourg est reconnu comme, voilà, et c'est un pays qui est reconnu beaucoup plus pour sa qualité de vie, autant que pour son dynamisme économique. Petit pays de moins des 600 000 habitants, il est pourtant un secteur assez influent de la construction européenne et accueille de nombreux expatriés qui proviennent de quatre coins du monde entier. De l'Afrique notamment, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, ah ben aujourd'hui des expatriés, bien entendu, le Luxembourg c'est un petit pays comme je viens de le dire avec moins de 600 000 habitants, mais vraiment l'immigration est en train de battre son plein et c'est bel et bien pour de bonnes raisons, c'est pour l'investissement plus précisément et même pour vraiment apporter de la main-d'œuvre qualifiée dans ces différents secteurs d'activité, ce qui est bénéfique, ce qui paraît beaucoup plus bénéfique pour le Luxembourg, d'autant plus que voilà, son économie se porte déjà bien et se porte de mieux en mieux, puisqu'il y a vraiment des gens qui mettent des paquets de fric en jeu afin d'investir dans ce nombreux projets qui sont en train d'être mis en place, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou même dans l'immobilier. Plus de 70 000 nationalités donc s'y côtoient et près de 50% des résidents du Grand-Duché sont d'origine étrangère. Donc pratiquement la moitié de la population luxembourgeoise et c'est des expatriés. Ça montre quand même à quel point le pays est quand même une cosmopolie, c'est une cosmopolite, d'accord? Et vous allez vraiment vous sentir dans votre assiette après avoir arrivé dans ce pays. Et ce n'est pas tout, le pays, vraiment les gens sont bilingues, pratiquement tout le monde parle anglais, tout le monde comprend au moins le français. Donc à part ça, il y a aussi l'allemand qui est parlé. Enfin bref, il y a diverses langues en tout cas qui sont parlées dans ce pays. Le premier point que nous allons aborder dans cette vidéo qui réunit les avantages de s'expatrier au Luxembourg, c'est une situation géographique idéale en Europe. Le Luxembourg n'est qu'à 2h10 minutes, je précise, de la ville de Paris, d'accord, en train, et proche de principales métropoles européennes telles que la ville de Bruxelles, la ville de Amsterdam aux Pays-Bas, la ville de Londres, la ville de Berlin, etc. Donc une situation qui facilite largement les déplacements professionnels et même personnels, que ce soit en avion, en train ou encore en véhicule professionnel. Bah, vous n'aurez pas du mal à vous déplacer, notamment ceux qui veulent par exemple rendre visite à leur famille une ou deux fois par mois et travailler au Luxembourg ou faire des affaires au Luxembourg. Bah, sachez que vous aurez bel et bien cette possibilité
possibilités puisque le pays est au centre de l'Europe. De plus, le Luxembourg, d'accord, dispose d'excédents, en tout cas, état d'infrastructures routières et ferroviaires, ce qui facilite considérablement tout déplacement, notamment sur le plan national ou international. La localisation, d'accord, centrale du pays lui permet d'héberger plusieurs institutions européennes telles que déjà la Cour de compte, pour compter, pour citer que cela, aussi le secrétariat général du Parlement européen ou encore la Cour de justice et l'Office statistique de l'Union européenne. Le deuxième avantage que tu dois connaître pour toi qui as le projet de t'expatrier au Luxembourg, c'est que le Luxembourg donc a une excellente qualité de vie, et c'est d'ailleurs vraiment ce qui est devenu un petit peu son image lorsqu'on parle du luxe du Luxembourg. Sachez que on voit tout de suite une meilleure qualité de vie, une économie stable et diverses opportunités à saisir. Vivre et travailler au Luxembourg est aussi c'est aussi bénéficier vraiment d'une excellente qualité de vie grâce à plusieurs atouts, notamment une grande stabilité sociale et politique. Ça, c'est le premier avantage que je dois vous communiquer concernant l'excellente qualité de vie que offre le Luxembourg, notamment aux expatriés ou même aux locaux. On trouve une grande qualité, voilà, une grande stabilité sociale et politique, un taux de chômage vraiment le plus réduit d'Europe, un niveau de vie très avantageux dû bien sûr à un revenu par habitant plus élevé que dans les pays voisins, alors que les prix sont bien sûr semblables à ceux de la France ou de la Belgique. Donc on constate vraiment un taux de chômage qui est très 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 faible, et on trouve aussi vraiment, compte tenu de la stabilité économique et sociale, cela attire énormément des investisseurs à investir dans divers secteurs d'activité. Ce n'est pas le seul avantage qui doit être cité, un taux de criminalité figurant parmi les plus bas du monde. Donc au Luxembourg, vous n'avez rien à craindre, même si vous vous baladez avec de l'argent plein dans le sac, même si vous baladez tard la nuit, parfois dans certains quartiers qui pourraient vous faire peur, mais en réalité, il n'y a rien à craindre. Le taux de criminalité est beaucoup moins élevé au Luxembourg, et ça, c'est vraiment quelque chose de rassurant, surtout pour les expatriés. Une offre culturelle et de loisirs, bien sûr, importante et diversifiée, associée à des espaces naturels, des grands intérêts. Ça, c'est aussi un grand avantage, vraiment, de s'expatrier au Luxembourg. Vraiment, pour vous dire, le pays est là et il tend ses mains à toute personne qui veut ou qui s'intéresse bien sûr à son marché entrepreneurial, à son marché économique en général. Donc si vous avez des compétences notamment dans un secteur d'activité tel que par exemple l'ingénierie, tel que la télécommunication, tel que voilà tout ce que vous avez en tout cas comme compétence qui est recherchée, sachez que cela va énormément vous aider au Luxembourg, notamment à trouver un emploi stable, un emploi avec un salaire très attractif. Et si vous voulez monter votre propre entreprise, ça sera pareil. Le pays est là et il y a beaucoup vraiment d'accessibilité. Comme je l'ai dit, il y a plus de 50% de la population luxembourgeoise qui est d'origine étrangère. Donc vous allez trouver des opportunités et vous associer probablement avec d'autres entrepreneurs pour réussir vraiment le lancement de votre propre projet. Et c'est pareil pour l'immobilier, bien que dans certains coins on peut constater un prix très élevé des biens immobiliers, mais il y a aussi des endroits où vous pouvez investir dans l'immobilier ancien et voilà, donc constater une accessibilité au niveau du coût de lancement, mais aussi un bon retour sur investissement. Pourquoi? Puisque les Luxembourgeois, lorsqu'ils vous louent un logement, il ne va pas quitter parce qu'il sera dans l'incapacité de le payer. Ce qui est vraiment rassurant. Donc quelqu'un, lorsqu'il vous loue un logement, d'accord, il sera toujours en mesure de le payer, vraiment, puisque l'économie se porte bien et on trouve un faible taux de chômage, ce qui est vraiment des choses très motivantes pour investir dans l'immobilier et même dans plusieurs autres secteurs d'activité. J'espère que cette vidéo vous a été très utile et surtout que vous en avez tiré vraiment les avantages qui vont vous motiver à vous expatrier au Luxembourg. Maintenant, si vous voulez vous former afin d'obtenir un visa, que ce soit un visa de tourisme, un visa pour faire des affaires, donc le visa business, ou encore un visa de travail, pour avoir les détails sur tous les documents dont vous devez disposer pour obtenir le plus rapidement possible un visa pour le Luxembourg, je vous invite à me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo pour vous aider vraiment à avoir une idée dans les démarches au travers des formations que je vous ai mis à votre disposition et un guide en PDF qui vous explique toutes les démarches
que vous devez faire. Et pour finir la vidéo en beauté, je vous invite à bien sûr, après m'avoir contacté, bien sûr, pour vous aider dans vos démarches, je vous invite, en fin de compte, d'activer la cloche de notification qui est juste en dessous afin de ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite. Ça sera plus bénéfique pour vous lorsque vous allez activer la cloche afin de recevoir les vidéos intéressantes sur l'expatriation et sur plein d'autres sujets. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!